compa-events.com. Bonsoir tout le monde, Compa Events. Jeudi, c'est dimanche 20 décembre 2015. Donc, c'est pratiquement l'heure pour nous présenter et artiste New York. Donc, qui a gagné probablement et un petit parole pour parler avec nous. Et suivant, agence a été passé pour l'année 2015. Hein. Donc, jeudi, nous avons Ada, un artiste, c'est une jeune dame donc, qui va parler avec nous. Elle est de Boston. On a dit bonsoir, Ada. Bonsoir, bonsoir, Compa Events. Bonsoir, tout le monde qui a regardé l'émission. Très, très content. Merci. Merci. Ada, en tant qu'artiste, et année 2015. Comment ça a été vous? Alors, bien entendu, année a beaucoup fini. Oui. C'est quelques jours bah, juste avant, donc avant que année en finisse. Mais comment, si vous faites un bilan, alors c'est comment année a été vous? Bon, 2015 c'était bien passé pour moi. Oui. Tu as préparé une musique avec une vidéo qui est la première musique qui n'était pas sortie. Nous faisons la 1er novembre. Ça fait plus qu'un mois maintenant. Donc, je travaille sur ça. Je fais tout un travail sur production musique, sur vidéo. Donc, je suis très, très, très engagé dans ce que je fais. Et puis, je suis content que j'ai un résultat. Donc, si vous avez l'année 2015, ça et qui marque trois bagages par exemple, c'est qui ça? Bon, premièrement, première musique hein, qui est sortie. Deuxièmement, je participe en pile dans un paquet de programmes Anissa culturel qui est vraiment important moi. Et troisièmement, ça me dit encore, musique tellement comblée, je me dit que ça prend deux places. Première et deuxième place, c'est le fait que je participe en pile, Anissa joue en pile, qui est très important moi. Donc, très content. Alors, il y a un bagage qui marque quand même pour l'année 2015, c'est quoi? Bon, pour me dire bien, marqué personnellement, me fait en France et ça qui est passé en France dernièrement, c'est ça vraiment qui était vraiment touché pour l'année. Grand pile famille en France toujours, grâce à du tout mon enfant, mais personnellement c'est ça qui était vraiment vraiment frappé ma année ça. Ensuite, si on va écouter, si on correction pour t'arriver pour t'avoir expérience que t'as fait quand même dans 2015 là, en dehors de ça, évidemment ça qui est pas tellement un bon bagage qui arrivait, oui. Mais il y a une correction probablement, il y a t'as envie de faire, on y a un côté commettre quand même, on bagaille aussi. Bon, seul bagaille, m'a dit, comme disons, me faire un travail sur la musique, là, m'a voulu sortir en disant plus bonheur, mais comme t'as pris un temps pour me sortir un produit de qualité, m'a voulu courir. Donc, c'est seul ça que m'a dit que peut-être prochainement, femme, travail un disant plus dur, plus focus sur ça, m'a fait. Mais m'a vraiment voulu penser, donc m'a pas vraiment regretté, mais pour la prochaine fois, m'a connaît que ça demande un peu de travail. Beaucoup de travail. Alors, objectivité pour l'année 2016, c'est quoi? Un bon album, l'autre musique qui va sortir avec l'autre vidéo tout. Et je souhaitais que je gagne opportunité pour travailler avec le monde que je aime dans HMI. Et puis, je vais quitter le marché comme ça. Donc, en fait, probablement que nous avons des petits mots, tu as même dit à tout le monde qui peut comprendre Ada. Et souhait peut-être pour la Noël. Donc, qui sont les quatre cadres? Bon, on dit tout le monde joyeux Noël, mais bonne année qui va venir. Et tout le monde qui travaille, parce que c'est son travail. Tout le monde qui veut réussir par jambes découragées. Et continuer sur route positive. Là, et on a toujours un résultat comme ça. Donc, merci Ada, compagnie. Merci beaucoup. Bye. D'accord. compa-events.com.